Alléluia, notre prédicateur aujourd'hui. Alléluia, comme certains d'entre vous l'avez deviné. Alléluia. Donc, Frédéric va prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. Ah, c'est pas vrai? Alléluia. Mais. Si tu n'aimes pas le pasteur Yannick, on va prier, on va jeûner pour toi. Alléluia. Pasteur Yannick, c'est un homme de Dieu. Amen. C'est quelqu'un vraiment qui a sacrifié pour le Seigneur. Et il n'y a pas quelqu'un ici dans cette salle qui n'a pas bénéficié de l'onction qui coule sur cet homme. Alléluia. Avant c'est ma femme qui a réussi à me sortir de là-bas. Moi, j'ai essayé de sortir, je n'ai pas pu. Maman a dit, c'est venu me réussir à me faire sortir de là-bas. Alléluia. Et honnêtement, ça a été, je dirais carrément, avant, bien sûr, mon mariage, les trois plus belles années de ma vie. Nous étions vraiment, on était ensemble, on était très soudés. Et j'ai vu ce que Dieu a fait littéralement à travers nous, lorsque JPDL commençait. Et c'est juste un moment extraordinaire. Ouais. Et pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège, je le prends vraiment comme un aîné, un grand frère. Et vous savez, des fois j'essaie de vouloir faire comme lui, mais je pense que Yannick est tombé dans le Saint-Esprit. Obélix est tombé dans la potion, mais lui il est tombé dans le Saint-Esprit quand il était petit. Alléluia. Parce que Yannick prêche la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur ici là? C'est l'honneur d'être parmi vous pour la première fois le soir. Alléluia. Vous saviez que j'étais au courant de tout ce qui se passait. Amen. Le direct. Je connais toutes les prédications de Pasteur Abou. C'est moi qui l'ai mis en ligne. C'est juste que récemment, comme le frère Jules a commencé à m'aider, je connais moins certains sujets parce que le frère Jules fait le montage, un très beau montage. Puis moi, je dépose seulement. Ça me permet de me reposer parce que amen, je me suis rendu compte que j'étais plus jeune. Et je crois qu'il faut qu'on commence à prier pour moi, amen. C'est ça, c'est pour ça que, bon, au départ, j'en voulais à Sœur Alice, mais maintenant, je lui pardonne parce que, quand on avait notre groupe avec Stéphane, Achille et tout, tout allait bien. Et puis, je ne sais pas comment elle a fait. Je n'ai pas vu ça venir. Tout ce que je sais, c'est qu'elle allait passer du temps chez la Sœur Jolie. Et quand tu passes du temps chez la Sœur Jolie, tu es obligé de voir son mari, le pasteur Carlos. Et puis, plus tard, Abou qui me dit, bah, Yannick, je dois t'annoncer quelque chose. Je dis, hey. J'ai compris que tu t'appelles, je crois que c'est sur les signaux chez elle là. Mais c'est une chose qui a gagné les âmes maintenant. Regarde ton mari, tu dis étude publique. Des choses se passent dans l'étude publique. Des choses, et même, c'est même ça. Parce que j'avais un cœur d'enseigner aujourd'hui. Parce que c'est ce que je suis même bien cœur. Amen. Et l'une des meilleures histoires que je rencontre sur le pasteur, vous venez pas que je raconte ça, mais je lui dis, ça m'a beaucoup marqué. Parce que moi, je viens vraiment du monde. Le pasteur, vous ne venez pas du monde. Il vient de l'islam. C'est pas la même chose. Donc, il était déjà dans une religion, un cocon. Et le Dieu Tout-Puissant l'a sorti quelque part pour lui mettre dans un autre cocon. Mais nous autres, avec les Achillo, avec les Stéphano, avec les Rebecao, vous ne voyez pas comme ça. Nous autres, on était dans la poubelle. On a connu. Donc, si vous nous voyez ici, la danse pour le Seigneur et servir Dieu, c'est parce qu'on sait d'où Dieu nous a sortis. Amen. Donc, comme Pasteur Abou, c'était un saint, il ne connaissait pas beaucoup de choses. Un jour, on avait une étude le lundi. Nous connaissions l'étude lundi qu'on faisait avant Saint-Laurent, qu'on fait toujours. Amen. Et donc, Pasteur Abou était parti faire des achats. Il a fait beaucoup d'achats. Et c'est dans la période où il était déjà fiancé à la sœur Alice. Donc, j'étais encore en train de digérer parce qu'il n'y avait plus. Je n'avais plus à voir les partenaires de Monopoly. J'ai pu avoir le partenaire pour une chose grave et tout. Je dis, mince. Ok, mais tout le monde aime la soeur Alice, amen. Amen. Donc, maintenant, la soeur Alice était avec nous et le pasteur Abou avait beaucoup de sachets. Il y avait beaucoup. Tu sais, quand tu as fait les courses, tu as beaucoup de sachets. Puis il avait fait un peu froid là, des doigts, commence à voir des traces. Et donc, il voit sa fiancée, qui était sa fiancée depuis plusieurs semaines. Ça fait un moment qu'ils étaient fiancés, amen.
Et il dit, oh, salut, désolé, je ne peux pas te saluer parce qu'il avait beaucoup de sacs sur lui. Je l'ai regardé, je dis, le casier est long. Hein? Oui, tu as beaucoup de sacs. Ta fiancée est là devant toi, tu ne peux pas la saluer. Donc, ça veut dire qu'il sous-entendait qu'il devait déposer les sacs pour la saluer. Vous voyez un peu. Donc, je suis. Tu ne voulais pas dire aujourd'hui, hein? Alléluia. Donc, c'est pour montrer à quel point le pasteur a pointé un saint. Je vous dis qu'il vient de très loin. Donc, quand je me suis dit, hey, si moi, Yannick, j'ai une fiancée, je vais prier tous les jours. Donc, en fait, je peux vous, c'est pour vous dire que vous avez un très bon pasteur. Il ne prêche pas au hasard. Il dit ce qu'il prêche et je l'ai vu à la maison. J'ai vu des fois. Oh non, désolé, je voulais enseigner, mais ça ne fait que venir. La meilleure histoire. Un jour, vous savez, Rebecca, Achille, Stéphane, ils ont fait Purpose. Vous connaissez Purpose Institute, n'est-ce pas? Ok. On faisait pour le Purpose. Et puis, un jour, on était zélés. Je vous dis, on faisait des trucs la nuit, le matin, le soir, à toutes les heures. Donc, on avait une Québécoise qu'on suivait. Et la Québécoise qu'on suivait, elle voulait vraiment l'étude, mais elle n'avait pas le soir. On devait faire ce jour-là. Ouais, c'était samedi matin. Mais ça devait juste être le matin, parce qu'après ça devait aller travailler, elle avait des choses à faire, elle ne voulait pas. Mais nous on avait pas pause. On a dit ok, on va y aller tôt et puis on va arriver à pause pour ça après. Moi on n'est jamais arrivé à temps pour pause. Une fois qu'on a dit ça, parce qu'il nous a parlé, parce qu'il n'était pas content d'habitude, c'était un beau qui était exemplaire pour le Amen. Et vous allez me tirer pour que j'arrive à l'heure. Mais là, donc si tu arrives en retour au service ce dimanche, là, prie pour que. Ok, donc là maintenant on arrive chez la sœur. On commence l'étude. Là, les questions ont commencé à fusiller. Il a fait beaucoup d'études. Et ça, c'est pour ça que c'est un bon enseignement. Un bon enseignant. Ce n'est pas au hasard. Et les questions commencent à fusiller. Et puis, à vous, en ce moment, et à vous, il y a des études, mais il y a certaines choses qui n'étaient pas encore habituées. Donc, la soeur commence à poser des questions un peu plus directes. Parce qu'on a engrouillé, c'est les appels de copains copines. Oui, ma soeur, tu sais, il est intervenant aussi. La vie, on ne fait pas comme ça. C'est bien les gens qui n'ont pas besoin de savoir comment faire dans la vie, il faut que tu lui dises ce que la Bible dit. Et donc, elle a alors clarifié sa question, elle dit, bon, écoutez, moi je veux savoir, comment tu vas faire pour connaître ton mari si tu n'as pas goûté avant? Je ne vais jamais oublier la réaction du pasteur. Ses yeux étaient comme des étincelles. C'est là où j'ai compris que cet homme-là, c'est un bon homme. C'est un homme qui est pur. J'ai la réaction qu'il a eu juste aujourd'hui, je vois ça. C'est comme dans les films d'action. J'ai dit, ok, Seigneur, tu as quelqu'un qui n'est pas comme moi. Mais bon, Seigneur, donc, on remercie notre pasteur. Amen. Amen. Il a que Dieu le bénisse. On va aller directement dans la Bible. Lisons chapitre Colossiens, chapitre 2, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa voix par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Avec la grâce du Seigneur, je vais enseigner sur un sujet et je voudrais vraiment, le pasteur Rabot me l'a permis, que vous posiez des questions. Parce qu'il faut qu'on règle certaines choses. Quand il enseigne, je regarde. Quand il fait des témoignages, je regarde. Et vous savez, avec le pasteur Carrosier, on sait quand les gens grandissent et quand les gens ne grandissent pas. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens ne grandissent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas ancrés. C'est parce qu'ils résistent encore. C'est parce qu'ils doutent encore. Mais il faut dissiper ce doute pour qu'on puisse arriver là où Dieu veut que nous soyons. Amen. J'ai beaucoup aimé le message. Il a dit, n'écoute pas ce qu'on a dit. Sauve-toi. C'était ça. Oui, je connais, je retiens beaucoup les titres. C'est tellement clair, mais des fois c'est comme. Et je ne sais pas si vous regardez ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui. La fin du mois, c'est vraiment bientôt. Amen. Si le pasteur vous peut prier. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce conservateur qui annonce ta parole et l'enquête du faveur et dispose nos cœurs à ta voix. Nous placons nos cœurs. Père, d'être nous prions. Amen. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Alléluia. Je pensais juste à un truc que je voulais vous apporter. Ce n'était pas dans mes notes, mais est-ce que vous savez que le monde présentement,
ils sont plus alertes sur la fin des temps que nous autres. Le monde sait que la fin des temps arrive. Beaucoup de gens savent. Il y a des gens qui doutent encore, mais il y a beaucoup plus de monde qui alerte et qui se prépare. Vous savez comment ils appellent ça? Ils appellent ça changement climatique ou réchauffement climatique. Regardez, je vais m'expliquer. Ils pensent que si on ne fait rien, la Terre va être détruite, n'est-ce pas? C'est pas ce que le monde pense. En fait, la Terre va être détruite parce que Dieu a dit qu'elle va être détruite. Mais ils sont en train de penser que si on arrive à faire quelque chose, la Terre ne va pas être détruite. Ah là, c'est différent. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'ils commencent à dire? Ok, il faut arrêter de mal utiliser le plastique. Je ne suis pas contre. Je sais qu'il faut faire attention. Il faut faire le recyclage. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas jeter n'importe quoi dans l'eau. Il faut bien gérer l'industrialisation. Mais ils mettent trop d'accent là-dessus pour que l'homme pense que ce qui va détruire la Terre, c'est son action, c'est son activité économique ou sa dépendance aux technologies. Alors que ce que la Bible dit, ce qui va détruire la Terre, c'est quoi? C'est le péché. Ce qui fait que quand tu mets l'accent sur ce qu'il ne faut pas, tu vas penser que le péché est correct. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que vous allez voir dans toutes les politiques, même quand tu travailles, quand tu fais quelque chose, quand tu fais référence à l'énergie verte, quand tu fais référence au réchauffement climatique, tout le monde est avec toi. Mais quand tu es climato-sceptique, les gens sont fâchés. Vous allez voir la plupart des gens qui sont climato-sceptiques, qui sont très puissants, on est très fâchés contre eux. Regardez Trump, par exemple, aux États-Unis, les conservateurs ici, regardez Boris Johnson en Angleterre. Vous allez voir la plupart des gens qui sont contre cette affaire de réchauffement climatique. C'est comme si on veut seulement les cogner dessus. Donc, maintenant, n'allez pas dire que on a dit que le réchauffement climatique n'existe pas. Je suis seulement en train de vous dire que, ouvrez les yeux, le monde sait que la fin est en train d'approcher. Et ils mettent, vous avez vu les scandales qu'ils sont en train de faire. Ils vont fermer un pont, ils vont bloquer une route, juste pour qu'on écoute leur doléance. Mais nous qui avons celui qui est tout puissant, qui est plus fort que n'importe qui, on a peur d'agir. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Amen. Amen. Ça, pour une fois, les témoins, je vois des raisons de réveiller. Donc, c'est pour vous dire, j'avais une histoire, je ne sais pas si Pastor se rappelle, mon ami qui était grand père, qui était venu une fois à la maison. J'avais un ami, quand on était dans le monde, il aimait ça. Mais quand je suis sorti, ça fait partie de ceux qui étaient comme affectés. Parce que il dit, Yannick, tu veux dire que tu ne fais plus rien? Tu ne fais plus rien, rien, rien? Parce que mes amis ont tué le compte, ils ont été directs. Amen. Il y en a aussi que le Seigneur a sorti, c'est Stéphane. Ça, c'est un autre. Mais bon, on ne va pas sortir avec moi ici. Parce que sa femme est pétée en ligne, donc il y a des choses qu'elle ne va pas savoir. Son couple est direct. Donc, fait que on le bombardait. Avec les questions, on bombardait. Tu sais ce qu'ils viennent à la maison, on les invite, on essaie de les évangéliser. Mais ils venaient pas, ils fuyaient. Alors, un jour, c'est tombé que c'était là. Vous vous rappelez, en 2012, quelque chose comme ça, là, il devait avoir la fin du monde. Nous, on ne croyait pas en ça. Exactement. Nous, on ne croyait pas en ça. Et donc, on faisait notre truc. Mais ce jour-là, on l'avait fait. C'est tombé qu'on avait fait une activité à la maison. Mais mon ami, qui n'était pas venu depuis longtemps, il s'est pointé à la maison. Moi, je n'ai rien compris. Et c'est vraiment Dieu qui a fait cela. Parce que si j'avais ceux qui venaient à cause de la fin du monde, je l'aurais bombardé. Je lui ai dit, ah, tu as peur maintenant. Hein? Tu ne peux pas aller en enfer, c'est ça? Parce qu'avant, je grandissais aussi, je manquais de sagesse. Amen. Pardonne-moi. Je pouvais t'envoyer en enfer 4 fois par jour. Mais là, il est arrivé, il a passé du temps. Je trouvais quelque chose dans ma tête. Il disait, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il était venu, après la fuite, il ne voulait plus. Mais on a fait des activités avec Fabou. On aimait bien ça, être avec Silvio et surtout Frachy. Parce que le seul qui jouait vraiment piano avant, c'est Frachy. Frachy nous tue. S'il n'y avait pas le pianiste, on était mort. Frachy nous a vraiment. Et donc, on a fait des trucs. Et puis après, il est parti. Mais un jour, quand c'était déjà passé, je suis dans la voiture, je me rappelle, et je regarde la date. Ma tête fait ça. Il fallait me voir, il fallait voir mon cri dans la voiture. Je dis, non, con. J'ai compris qu'il avait tellement peur. Et ça tombait ce jour, il est venu à cause de cela. Les gens ont peur. Les gens ont peur, les gens sont à l'aise. Je vous dis, si vous regardez ce qui se passe, que ce soit à l'église au Schlager, que ce soit à Saint-Jérôme, que ce soit à Saint-Jérôme, les gens commencent à venir. Et maintenant, le problème, c'est que alors que les gens commencent à venir, toi, ta foi est en train de chavirer. Voilà pourquoi la Bible dit que quand le Seigneur reviendra, est-ce qu'il retrouvera la foi sur la terre?
Est-ce que vous savez que c'est maintenant que nos familles viennent? Vos familles, t'as dit, vous savez, vous n'avez pas dit que j'ai dit que c'est écrit dans la Bible. Mais ça, c'est un peu comme ça que le Seigneur m'a montré cela. Vous savez, des fois, quelqu'un, il va mourir pour Dieu. Pas nécessairement parce que il y a des gens qui ont vraiment la foi à Dieu. Il y a des gens qui ont mouru pour Dieu parce qu'il t'a vu travailler pour Dieu, il t'a vu vivre pour Dieu. Et ce que le Seigneur m'avait montré, alors que je m'étais dessus, c'est que si ta famille te voit vivre pour Dieu, quand elle te voit vivre pour Dieu, on t'insulte, on se moque de toi, on crie sur toi, on dit n'importe quoi. Il y a des gens qui sont toujours en train d'observer et d'analyser. Alors que tu es en train de vivre pour Dieu, je te promets que s'il rate l'enlèvement, ce que je ne souhaite pas, mais la Bible dit qu'il y a quand même certains gens qui vont s'en sortir, mais ils vont devoir mourir pour Dieu. Et ça, c'est plus difficile. Et vous savez qu'on parle beaucoup de la fin des temps, ces derniers temps. J'écoutais même le pasteur prêcher là-dessus ce matin, je suis aussi toujours en direct. Et puis il parlait même, j'ai demandé même ça à la soeur Emmanuel, parce qu'il va parler d'une histoire qu'on avait écrite sur votre bulletin. Moi, je veux tout savoir, donc j'attends toujours l'histoire. Il a dit que c'est très important et édifiant. Donc, alors que, mettons que quelqu'un a raté l'enlèvement, mais que la personne qui n'allait pas à l'église se souvient que toi, tu allais tout le temps à l'église. Tu vas à l'église de mes chrétiens, si tu es normal, pas même te promener, non? Même quand vous chillez, vous dites Jésus, vous chillez, vous priez, vous chillez, vous évangélisez. Quand maintenant il ne te voit plus, on cherche tous ces gens qui courent à l'église, tous ces gens qui louaient Dieu, tous ces gens qui louaient Jésus public, tous ces gens qui étaient zélés pour le Seigneur, on ne les voit pas. Je te promets, quand on va venir leur dire cette histoire, parce que les gens pensent que c'est ça, mais moi-même j'ai tendance à penser que c'est ça, qu'on va dire les extraterrestres sont venus et les ont pris. Vous avez vu les dessins animés ou les films sur les extraterrestres, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Ils se coupent bien et tu vois une lumière qui sort et puis ça te tire. Mais rappelez-vous, quand Jésus est monté, qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté devant eux comme cela. Donc tu vois une similarité. C'est comme si le diable, l'ennemi, est en train de nous préparer. Pour que quand ça arrive, on va leur dire, il y a des gens qui sont venus et qui les ont tirés par le haut. C'est pour ça qu'ils ont disparu comme cela. Mais vous savez, ça vous fait rire. Il y a des gens qui vont croire cela. Mais justement, vos familles, vos proches, les gens qui n'ont jamais douté que vous serviez Dieu, parce que vous étiez toujours comme ça, on va leur dire cela, ils vont refuser. Et la Bible dit que tu ne pourras ni acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête. Vous avez remarqué, on va aller savoir pour la dernière fois. Quand tu amenais l'iPhone, il amenait le fils. C'est le front. Avant, c'était la main. C'est le doigt. Bientôt, ça va entrer ici à l'intérieur. Bientôt, la puce va être ici dedans. C'est bientôt. Donc maintenant, regardez. Il y en a qui font déjà, mais bientôt, vous faites ça pour tout le monde. Juste, je ne sais pas, j'ai une question de vous donner la semaine. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez entendu tous parler du Obamacare, n'est-ce pas? Dans l'Obamacare, vous pourrez aller voir ça sur Internet. C'est là, mais les gens ne cherchent pas. C'est en anglais. Dans l'Obamacare, il y avait une partie, et c'est ce que les gens ne trompent pas enlever directement, qui disait clairement ceci. Tous les enfants qui allaient naître après que l'Obamacare soit adopté devaient tous être injectés la puce à la naissance. Les gens ne savent pas ça. Tous les enfants qui allaient naître, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, n'importe où, vous savez qu'il y a des millions d'enfants qui naissent par jour, tous les enfants américains allaient avoir la puce sur eux. Ils sont en train de travailler, ils sont en train de se préparer, mais il y a des gens qui ne savent pas ça. Donc c'est pour vous dire que vous voyez comment le monde est en train de travailler à l'extérieur. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Il faut qu'il y ait un équivalent. Il faut que l'Église soit en feu. Alors que l'Église doit être en train d'être en train de en feu pour cogner, pour bosser, Dieu est encore en train de motiver son Église. Dieu est encore en train de réveiller son Église alors que nous devions être plus réveillés que tout le monde. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir ce réveil. Parce qu'à un moment là, si Dieu n'arrive pas à te réveiller, il va chercher à réveiller quelqu'un d'autre. Parce que c'est toi qui vas réveiller ton voisin, c'est son voisin qui va réveiller l'autre. Amen. Amen. Donc maintenant, je vous promets, si vous vous tenez pour Dieu, dans cette vie vous allez influencer, mais même dans l'autre vie, vos amis qui vous connaissent, les gens de votre travail qui vous ont vu servir Dieu fidèlement, on va leur raconter n'importe quoi, ils vont dire non, ils vont préférer mourir parce qu'ils ne vous voient pas. Parce que justement, ils vont poser la question à ces gens que, mais pourquoi les extraterrestres ont pris seulement eux? On va dire parce qu'ils avaient une vie différente, ils vivaient bizarrement, ils n'étaient pas normaux comme tout le monde. Mais c'est vrai, dans l'Église, nous ne sommes pas normaux comme tout le monde, parce que nous sommes comme Jésus. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller au ciel? Et là, pour moi, tu dis travail maintenant. Maintenant, je veux dire, qui ici a des doutes sur la doctrine? Soyons honnêtes. Qui a des doutes sur la doctrine?
le baptême au nom de Jésus-Christ, baptême du Saint-Esprit, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens ici? Parce que moi aussi j'ai déjà eu des doutes. Maintenant je n'ai plus. Mais j'ai des doutes étant dans l'église pendant longtemps. Personne n'a des doutes. Ok. Qui a déjà eu des doutes? Amen. Ok. On est plus clair. Moi, ce que j'ai à cœur vraiment, c'est d'enseigner sur quatre points essentiels. Pour être sûr que tu es dans la vérité. Quels sont les quatre points que tu dois regarder? Il y a quatre points essentiels. Si tu fais attention, quelle que soit l'église que tu vas, que ce soit les catholiques, adventistes, tistes, séparatistes, tu vas savoir si tu es dans la vérité. Amen. Amen. La première chose qu'il faut savoir, la chose la plus importante, et le pasteur l'a même prêché ce matin, mais c'est la chose la plus déterminante, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Regarde ton petit, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le diable agit dans la confusion totale. Amen. Vous savez, tout le monde a une Bible ici. Amen. Amen. Et regardez toutes les doctrines qui tendent à dire qu'il y a trois dieux, trois personnes à Dieu. Ou deux dieux ou deux personnes. Toutes. Le seul indice qu'il faut déjà regarder, ce sont des doctrines nouvelles. Ce sont des doctrines qui sont tous venues après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, tous les manuscrits de la Bible prêche un seul Dieu. Après Jésus-Christ, tous les manuscrits de la Bible prêchent un seul Dieu. Tout ce qui enseigne la Trinité ou autre, dans des livres qui ont été ajoutés, tu ne retrouves pas ça dans la Bible. Mais on va pas rentrer dans les détails. Amen. Parce que ça va être trop long. Parce que j'ai trois autres points à expliquer. Maintenant, pour venir au premier point, je veux juste ajouter certaines choses que nous voyons souvent, mais nous prenons pour acquis. Vous vous rappelez, on appelle Dieu, je suis. Et plusieurs fois dans la Bible, je dis ça parce que je sais que le pasteur Tanzi a mentionné ça ce matin, et aussi je sais que le pasteur Abou mentionne ça parce que je vois cette prédication souvent. Plusieurs fois dans la Bible, Jésus a dit, moi, je suis. Amen. Donc ça dit que je suis. Jésus, c'est Dieu. Amen. Bon, maintenant, je voulais qu'on apporte d'autres endroits là où il y a eu ce terme je suis utilisé. Pour clarifier que si Jésus dit je suis, c'est impossible qu'il y ait quelqu'un d'autre que lui qui soit Dieu. Une chose aussi, est-ce qu'on est d'accord que Jésus n'a jamais péché? Amen. Amen. Ok. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle les disciples, les pharisiens ou les scribes voulaient le lapider? Parce qu'ils se promettaient Dieu. Maintenant, s'il avait vraiment fait cela, parce que mettons que quelqu'un d'autre se serait proclamé Dieu, ça aurait été un péché, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre se serait proclamé Dieu, ça aurait été un blasphème. Et justement, dans la loi, tu vas voir que le blasphème, il fallait le lapider. Or, la Bible dit que Jésus n'a jamais péché. Alors, comment est-ce qu'il peut déclarer « Je suis Dieu » et il n'a pas péché? Parce que s'il avait péché, il ne serait pas Dieu. Amen. S'il a péché, tout cela, le baptême est caduque. Amen. Alors, la seule façon qu'il puisse dire cela, parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Écoutez, faites attention. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je sais que vous pouvez souvent, dans les vacances, ici, vous allez trouver des fois, par cause de la famille, vous allez visiter une église, vous allez visiter tel genre. Je sais, des fois, dans les détails de la doctrine, c'est compliqué. La première chose qu'il faut chercher, combien de Dieu il prêche. Dès qu'il divise, c'est fini. Il n'y a qu'un seul premier ministre au Québec. Il n'y a qu'un seul premier ministre au Canada. Il n'y a, même le monde l'a compris. Il n'y a qu'un seul président partout. Il n'y a qu'un seul gouverneur partout. Dès que tu mets deux, c'est la division, c'est la dissension, c'est difficile. Mais comment nous, on est capable de comprendre ça, même quand on vote, on est capable de comprendre ça, même quand on va à l'école, il faut un professeur, parce que même deux professeurs, même s'ils connaissent la matière, ça va influencer les élèves. Et c'est pour ça qu'on a ce problème avec les hommes qui se marient avec des hommes et les femmes qui se marient avec des femmes, parce que la femme ne se retrouve plus. Donc, allons lire un peu, disons, Jean 8, verset 53 à 58. Si quelqu'un l'a un peu lire, comme ça, on va gagner du temps. C'est bon.
Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire me dit, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis. » Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et je pense que tout le monde parle un peu grec ici. Là, on vous a déjà appris que je suis là, c'est Igo Emi. Amen. Et puis, il y a autre chose que j'ai trouvé, je pense il y a 3-4 semaines, qui appuie encore cela. Parce que le premier qui avait dit je suis, c'est Dieu. Il a dit dans l'Ancien Testament. Et plusieurs fois, il le répète. Et puis Jésus vient et il dit je suis. Écoutez, c'est la raison pour laquelle, si vous lisez par la suite, ils ont pris les pierres, ils ont voulu le tuer. Parce qu'ils ont compris. Parce qu'il vient de lui dire, tu n'as pas encore 50 ans, tu te prends pour qui? Abraham, il a depuis longtemps, parce qu'Abraham, c'est plus de 2000 ans en arrière. Et tu viens dire que tu es. Et il dit cela, ils ont compris que non, celui-ci-là, il a tenu. Et c'est pour ça que souvent, certaines églises parlent d'elles en sachant ou sans savoir pour Dieu. Il faut tuer ces gens-là, ils pensent qu'ils connaissent pas Dieu, mais Jésus seulement. Même dans l'église, vous allez voir cela. Le but pour toi, ce n'est pas savoir ce que l'autre pense de toi. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Il faut que tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Écoutez, je sais, vous savez, la croyance en un seul Dieu, c'est très important parce que ça va filtrer beaucoup d'églises. Ça va filtrer beaucoup de mauvaises doctrines. Des fois, tu vas commencer à aller dans l'église et regarder d'abord qu'est-ce que le pasteur prêche, comment il va, comment est sa femme, qu'est-ce qu'il dit, c'est quoi ses enfants, ou qu'est-ce qu'il mange, est-ce qu'il parle du sabbat ou non. Commence par la croyance sur l'identité de Dieu. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Ça va parce que c'est comme, ça va même te faire peur parce que c'est comme, tu vas directement, ça va baisser beaucoup d'églises directement. Directement, parce que la Trinité est tellement repentie ou la dualité. Un seul Dieu. Amen. Amen. Maintenant, regardez, il y avait une histoire de. Je vais donner deux passages et puis on va finir avec, on va passer au deuxième point. Lisons Jean 9, versets 7 à 10. Celui-là, je vais lire et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, donc il signifie envoyer. Il alla et se lava et s'en retournant voyant clair. Ses voisins et ceux qui par avant l'avaient connu, comme un mendiant disait, n'est-ce pas là celui qui était assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. L'autre disait, non, mais il lui ressemble. Et lui-même, il disait, c'est moi. Amen. Et si on parle du voyager, je prends les versets courts parce que sinon on ne va pas finir. On parle de l'aveugle, ce qu'on sait de l'histoire, l'aveugle que Jésus avait guéri. Amen. Quand il avait guéri, il était content, il est parti raconter partout. Et les gens commençaient à voir, on a témoigné, mais c'est pas l'aveugle qui était là-bas. Et puis les gens disent non, c'est pas lui, l'autre dit c'est lui, l'autre, et lui-même il est venu, il dit c'est moi. Mais là, le point que je veux apporter, le mot c'est moi, là, c'est la même chose que Igo Emi. Vous pouvez regarder. Je vous dis, notez le verset. Allez, la Bible, vous avez même, vous n'avez pas seulement la Bible en ligne aujourd'hui, avec la technologie, vous avez même les manuscrits en ligne aujourd'hui. Même les manuscrits du Vatican qui sont plus difficiles à coder ou à truc, mais vous avez les trucs, demandez-moi, je vais vous donner les liens. Il y a tout, vous pouvez vérifier, vous pouvez voir, même si vous ne connaissez pas les gens, vous pouvez au moins vérifier la forme de ce mot qui est la même. Les gens qui utilisent le téléphone et qui disent qu'ils s'ennuient là, non. Il y a beaucoup de choses. Dieu a donné la technologie pour la gloire de son nom. Quand tu utilises trop le téléphone pour Facebook, c'est que tu n'es pas. Il faut trouver le téléphone pour Facebook. Donc, c'est ça. C'est le même, c'est moi. Amen. Amen. Regardez alors ce que j'ai trouvé récemment. Justement, et c'est ça qui est bien quand tu cherches à parler. Surtout quand tu te réveilles tard. Oh, Seigneur, je suis fatigué. Et puis tu sens que la dernière fois, tu as failli avoir des problèmes parce que tu ne t'es pas réveillé. Lisons Jean 6, verset 18-20. Parce que le c'est moi ici, là, ça, c'est l'aveu qui le dit. Amen. Mais je vais apporter un autre endroit où Jésus dit c'est moi. Mais on va voir, mais pourquoi dans un endroit le traducteur dit moi je suis, dans un autre endroit le traducteur dit c'est moi? C'est pour comprendre le contexte. Amen. Lisons Jean verset 6 à partir du Jean chapitre 6 plutôt à partir du verset 18. On lui soufflait un grand vent, la mer et le vent s'ébranla. Or
Ok, c'est bon. Donc, vous avez vu tout à l'heure quand Jésus a entendu, quand ils avaient peur, qu'est-ce que Jésus a dit? C'est moi. Je vous prie de se laisser aller regarder la traduction. Vous pouvez même avoir ça dans ton Bible. Vous allez voir, il y a des versions. Tu peux avoir les versions d'Abi, version telle, version semaine, et puis tu peux avoir la version grecque. Tu vas voir que c'est le même Hugo Emi qui écrit. Donc, quand Jésus dit c'est moi avec les Juifs, il a entendu dire c'est moi Dieu. Mais il veut qu'ils comprennent. Il n'y a qu'un seul Dieu. Regarde ton maître, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ok. Deuxième point. Il faut que tu regardes à quelqu'un qui prêche la vérité et a son témoignage. Ou pour dire différemment, tu as besoin d'un leader. Mais comment tu vas faire? Amen. Ça me fait penser à des histoires. Parce qu'il y a beaucoup de tentations. Amen. Et puis je sais que le pasteur a tellement prêché à Papa K, que bon, Papa K a pris des engagements. Bon, pardonnez-moi, mais il faut que je raconte. Néanmoins, que Papa K a changé le travail. Et puis, il fallait qu'il s'occupe. Mais le pasteur, apparemment, parce que vous l'avez prêché beaucoup, il fallait passer aux distractions, aux tentations, aux gens qui parlent trop et tout ça. Et donc, pour se venger, alors, pour trouver un truc, il a trouvé une raison. À chaque pause, il appelle sa femme. Et voilà. Quand papa l'a voit le défaut, il a dit, ah, ok. Elle aime son mari. Mais des fois, il a dit que, est-ce que j'ai appris des plus de sujets, c'est parce qu'il recommence le sujet. Donc, voilà quelqu'un qui écoute son pasteur. Il dit, non, pas de risque. Amen. Pas de risque. Amen. Une autre question aussi. Quand on avait commencé l'étude avec le pasteur Kanzi, on avait commencé avec chez le pasteur, chez le frère Apo. On était cinq. Pasteur Apo, moi, Achille, Apo, qui est Ludovic. Non, Lionel, pasteur Lionel, c'est ça. Et en fait, le pasteur Kanzi nous avait beaucoup prêché. On avait besoin parce que quand on parlait avec papa, nos parents, eux, c'était trop lousse. Ah, c'est qui ta copine? Oh, c'est qui ta... Mais avant, ça sonnait dans le cœur. Amen. Mais par la suite, ça a commencé à... pourquoi le pasteur prêche, c'est mon père prêche? Pourquoi tel? Vous comprenez un peu? Le témoignage est très important. Je vais te donner des exemples, des gens qui suivent, et à quel point ils suivent. Je sais que des fois, tu vas dire, ils sont trop durs, mais ils se protègent. Il faut que tu aies un leader ou une leaduse. Je ne sais pas si ça se dit. Amen. Et si tu es une femme, il y a la femme du pasteur. Il y a la soeur, il y a beaucoup de gens pour te diriger. Mais le problème, c'est que je suis dépassé par les gens qui vont nous faire des gens. Tu vois quelqu'un qui bavarde comme toi, qui critique comme toi, ou qui fait ça, mais c'est toi qui savais que tu vas prendre pour toi, pour demander des conseils. Je suis dépassé. Quand tu veux faire un travail, tu vas voir quelqu'un qui a fait le bon travail que toi, qui a réussi dans ce travail. Tu as vu quelqu'un qui a réussi là où tu n'as pas pu aller pour prendre conseil. Mais quand tu viens à l'église, tu vas prendre conseil à quelqu'un qui n'a pas réussi. Allez! Des fois, là, on se complique la vie pour nous. Il y a toujours des gens, vous savez, il y aura toujours des mauvais modèles que le diable va mettre à côté, mais il y a toujours des bons modèles que Dieu va mettre. Prends le bon modèle. Et vous savez, c'est qui le bon modèle? Le bon modèle, c'est cette personne que des fois, là, tu sais qu'elle peut te parler, mais tu n'as même pas envie d'écouter parce que tu as peur qu'elle commence à te sortir la parole. La Bible dit, ah! Et donc, le pasteur, quand nous avait beaucoup prêché sur la sainteté, attention à la possibilité et tout, mais il nous avait dit, il faut faire attention parce que. C'est pas pour ça que tu ne vas pas éviter les âmes. Amen. Donc, il y a un truc qui est arrivé un jour. Quand on avait commencé à faire une invitation à la maison, ah, ça a beaucoup grandi. Hein. On a invité. Moi, on avait quelqu'un qui aimait beaucoup les voitures. Franchi. Ah, si tu vas acheter une voiture, tu vas voir Franchi. Et c'est quoi? Il va te dire c'est quoi l'enclenchement, le moteur, la clé, tout, la date et tout. Même il va t'aider à négocier pour baisser le prix. Et donc, à cette période-là, vous savez, chacun faut sortir l'histoire des gens, et ça revient aussi. À cette période-là, on avait commencé à inviter Sœur Agnès. Et la Sœur Agnès qu'on connaissait avant, là, c'est pas la Sœur Agnès qu'on connaît aujourd'hui. Vous savez que Sœur Agnès joue au soccer. Si tu regardes le ballon, tu vas te trouver sur son pied.
C'est vrai qu'elle a un tempérament très calme, c'est une métaphore. Alors, on a commencé à, on avait bloqué tout ce qui était, on avait mis le site internet, les vidéos, tout, on savait comment on faisait, on avait notre plan. Tu vois un peu. Mais la sœur Agnès, elle était directe. Elle posait des questions. Ça, c'est le frère qui lui avait dit après. Et la sœur Agnès est dans la voiture, elle dit, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va parler, puisqu'on avait beaucoup de gens, on va passer le temps et tout. On a dit, ok. Mais elle n'est pas tranquille. Oui, et puis on va faire combien tout ça là? Ok, et c'est quel genre de musique? C'est quel genre de musique? Oui, bon, c'est la musique, nous on est musulmans. Achille, c'est un vrai politicien. Chance qu'il n'est pas en politique. Et donc, il y a la soeur Agnès qui dit, on va danser. Il dit, oui, oui, on loue le Seigneur et tout. Et dit, mais on va danser collé. Je me rappelle, c'est quand je l'ai rebondi, mais je sais qu'il était troublé. Et à ce moment-là, je pense que j'avais donné la seule faute que j'avais. C'est lui qui prenait toutes les voitures pour aller chercher. Je ne sais pas si. Bon, je pense qu'il a pris le contrôle au volant parce qu'ils sont vivants aujourd'hui. Donc, vous voyez, ce que je voulais apporter, vous voyez à quel point quand le pasteur donne des conseils, ça te trouble. Si tu vis ta vie et que tu sais que tu n'es pas dans le bon truc et tu n'es pas dérangé, il y a un problème. Il faut que tu serves Dieu en étant comme aux aguets. Seigneur, est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne fais pas bien? Le problème du chrétien, c'est qu'on est trop à l'abri et souvent on n'est pas du tout à l'abri. Il faut que tu sois à l'abri tout en attaquant. Tu vois un peu. Il faut que tu sois à l'abri tout en attaquant. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il y a un monsieur qui s'est fait baptiser aujourd'hui là. Et puis c'est la sœur d'Agena qui l'a invité. Mais elle voulait être sûre. J'ai dit non, c'est correct. Mais j'ai appelé c'est Stéphane, oui. J'ai parlé avec Stéphane le matin et puis qui a parlé avec les gars et tout pour qu'on s'assure que quand il vient, on puisse l'encadrer. Quand vous avez une situation qui est compliquée, appelez. Appelez. Parce que le monsieur venait de l'église, elle ne savait pas être. Il y a le jour aussi, parce que depuis elle hésitait. Mais quand elle a demandé conseil, on lui a dit. Et puis moi je t'ai appelé parce que hier je suis rentré, le pasteur m'a appelé pour que je puisse le dire. Hier j'étais fatigué, j'ai dormi, c'est le matin qui m'a parlé. Donc, il faut que vous travaillez, mais il faut que vous soyez à l'abri. Mais le problème, c'est que les gens se mettent tellement à l'abri qu'ils ne travaillent pas. C'est ça le danger. Il faut que tu travailles, mais il faut que tu saches quoi faire. C'est pour ça que tu as besoin d'un leader. Regarde ton voyage, tu as besoin d'un leader. Amen. Tu as besoin d'un homme de Dieu dans ta vie. Regarde ton voyage, tu lui dis ça. Et c'est pour ça que, écoutez, si par hasard quelqu'un d'entre vous passe au centre-ville et puis il regarde par une fenêtre, on voit peut-être Frère Yannick là dans une boîte très huppée là. I like the movie. Tu fais les tours, des choses qui ne fais plus les tours. Et puis le lendemain, tu le vois à l'église. Seigneur, mon frère, ça va, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Hein? Tu vas dire, tu vois un peu. Au lieu de penser au Seigneur, à la grâce du Seigneur, tu vas te penser. C'est le chic and chique. Tu vois un peu. Les témoignages comptent beaucoup. Vous savez qui dans votre vie ou dans votre église? Parce que vous savez, quand tu vas arriver devant Dieu, tu ne vas pas dire que Dieu n'avait pas mis quelqu'un autour de toi. Il y a quelqu'un qui peut te montrer quoi faire. Il y a quelqu'un, si tu cherches, tu vas savoir. Demandez à Pasteur, on a fatigué le pasteur Kaosé. On l'a brûlé. Sa femme nous connaît. Elle connaissait nos âges dès qu'on arrivait. Elle connaissait tout sur nous, nos dates d'anniversaire. Parce qu'on mangeait chez elle comme possible. Allez manger chez la semaine, je vous dis. Ça ne va pas aller appeler, déranger là. Je vous dis, parce que ça dérange, mais c'est ça le ministère, c'est ça le sacrifice. C'est pas facile. Allez, quand ça ne va pas, ne restez pas à la maison. Parce que les gens se demandent, même le pasteur le dit souvent, comment un moment, pasteur Abou, moi, pasteur Mino, on avait discuté, le pasteur ne nous voit plus. C'est parce qu'on a tellement mangé, on a tellement été à ses pieds qu'à un moment, Dieu nous a fait voler des gens. N'allez pas voir, il y a des situations où souvent, j'arrivais, je m'appelle juste avant que Stéphane se marie, même après. Tu vas arriver ici à l'église, tu vas voir Stéphane le soir te le prier. Personne n'a dit d'aller prier. Parce qu'il a tellement été avec lui, il a tellement été avec le pasteur qu'il a eu sa propre maturité. Et quand tu as eu ta propre maturité, quand tu as eu ta propre expérience, là tu as une relation avec Dieu. Donc, n'oublie pas, quand tu passes du temps avec l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, tu gagnes. Et puis toi-même, Dieu va te donner cette onction pour que quelqu'un veuille passer du temps avec toi. C'est le but de Dieu.
Le problème, c'est que si tu passes du temps juste pour être en sécurité, pour ne rien faire, c'est ça où ça ne marche pas. Passe du temps pour apprendre et pour faire aussi à ton temps. Amen. Il faut que tu aies l'homme de Dieu dans ta vie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse parler dans ta vie. Amen. Il faut, c'est très important. Et regardez un peu. On va regarder la troisième chose qui est importante. Et n'oubliez pas, s'il y a des questions, vous pouvez m'arrêter. Parce que c'est bien souvent beaucoup de questions à l'esprit. La troisième chose, c'est la prière. Je les ai vraiment mis par ordre parce que c'est vraiment ce que je m'ai mis à cœur pour aider quelqu'un qui est dans le doute. C'est la prière. Si tu ne pries pas, tu es mort. Mais c'est pas pour moi, j'ai mangé. Alors à chaque fin du mois, on me fait jouer des prières. Il faut que je dise, je n'aime pas ça. J'ai pris peut-être parce que j'ai pas la petite prière, mais je n'ai pas joué. Donc il dit, tout haut, ce que les gens pensent, tout bas. Vous n'aimez pas gêner aussi. Mais je sais que je dois gêner. Alors je m'arrange, j'anticipe. Parce que quand tu dis qu'on va gêner, on va, c'est bon le jeûne. Le jeûne n'est pas bon. Je n'aime pas ça. C'est dur. Mais c'est utile. Maintenant, vous savez, la prière, c'est la nourriture spirituelle. Il y a des gens qui ont mangé. Nous, il y a beaucoup plus d'Africains, on est ici. Je suis que la 90% des gens mangent le riz aujourd'hui. Amen. Il y a des gens qui ont mangé les patates hier ou autre chose. Chaque jour, on a pensé à manger à l'heure de manger. Okay. Et ça, c'est notre anecdote. Quand tu mets beaucoup de vidéos, tu apprends des choses. Donc là, c'était la fraternité. Les fraternités du début d'année. Là. Et les fraternités du début d'année, ils commencent à faire des engagements. Donc je tente d'écouter pour pouvoir mettre un titre la vidéo du frère qui est prêché à Saint-Jean. Là, j'ai appris quelque chose. C'est vraiment amusant. Là, ils avaient décidé de ne plus manger le riz. Lui et sa femme, la soeur Abia. Et je ne comprenais pas. Donc, fait qu'au lieu de fermer, j'avais déjà plus ou moins le titre. Mais comme j'ai écouté ça, j'ai dit, je vais rester. Donc, des fois, ça, c'est une autre chose que je voulais apporter. J'ai tellement de trucs. Ça, c'est un dessin que je fais depuis longtemps. Des fois, je ne peux pas être ici quand le pasteur est au proche, je peux passer comme ça. Mais juste le fait de mettre des vidéos, ça modifie tellement, vous ne pouvez pas savoir. Quand tu fais le ministère, ça te protège toi-même encore. Donc, maintenant. Et là, ils disent qu'ils ont fait un bon moment à manger du riz. Mais ils sont arrivés au restaurant une ou deux fois. Ils sont rendus compte que chaque fois qu'ils allaient au restaurant, ils commençaient à commander le riz. Et ils bouffaient le riz là comme pas possible. Le riz fait tellement partie de nos assiettes que. Non. Regarde, imagine que tu fais une semaine sans riz. Une semaine sans nourriture. Tu cries. C'est difficile. Donc, mais certains d'entre nous, notre façon de prier, c'est comme, ok, je vais prier aujourd'hui, mais comme je ne peux pas prier demain, tôt, je vais prier la semaine prochaine pour les 4 jours pour compenser. Est-ce que tu peux faire ça avec le riz? Non. Est-ce que tu peux faire ça avec la nourriture? Non. Non, parce que ton ventre, c'est la même chose spirituellement. Il faut, vous savez, c'est comme une horloge, c'est même comme une biologie. C'est quand je ne prie pas, c'est comme je me sens en sécurité. Je sens que quelque chose va m'arrêter. Ça doit entrer comme ça. Il faut que tu sois tellement proche de Dieu que tu commences à paniquer quand tu ne peux pas. Quand tu sens que ton temps, écoutez, les gens le savent. Moi, je ne peux pas aller en retard au travail et avoir prié. Parce que je vais laisser Dieu se faire le sang. Mais ça va être pas en retard tout le temps parce que tu vas partir en rêve. Si j'ai été mal pris, j'ai eu un imprévu, je vais m'arrêter d'avoir parti du temps. Parce que mon Seigneur, c'est mon pas continuer. Il va s'occuper de moi. Amen. Tu es à ton voisin ou à ta voisine, tu dois prier. On va lire verset par rapport à cela, sur la prière, pour développer un peu plus. Disons 2 Chroniques 7, verset 14. Si quelqu'un a un peu chuté. Amen. Mais vous savez, il y a une dimension encore plus profonde dans ce verset. Regardez. Et ce que j'aime ce verset, c'est que Dieu donne même l'ordre dans lequel tu vas l'approcher. La première chose qu'il dit, c'est quoi? Si mon peuple s'humilie. L'humilité, c'est très important. Dans l'humilité, vous savez quelque chose qui humilie? Le jeûne. Vous savez, des fois, je vais faire quelque chose, je ne suis pas sûr. Ah, je dis à le pasteur, oh, tel va dire, oh, tel frère, oh, tel.
Vous savez, la meilleure façon, quand je vais être ce que Dieu me parle, je continue de prier, mais je ne vois pas pourquoi la Bible, plusieurs endroits, Jésus parle de jeûner, prier, pas seulement de prier ou pas seulement de jeûner, parce que les deux vont ensemble. Il faut jeûner. Le jeûne humilie beaucoup, parce que tu sais, des fois, tu jeûnes. Est-ce que tu sais que quand tu jeûnes des fois, tu n'as même pas la force de prier? Tu es tellement faible que tu dis, ouais, c'est... Parce que là, quand tu cherches vraiment Dieu, tu vas chercher Dieu de tout ton cœur. Tu ne vas pas niaiser quand tu as faim, quand tu as faim de bouger là. Je sens que vous donnez des avantages. C'est à ce point que quand je cherche la face de Dieu, je vais le faire pas parce que ça me tente de le faire, mais parce que je sais que c'est comme ça que ça marche. Quand tu sais que quelque chose fonctionne, quand tu sais que c'est le bus 185 qui t'amène au métro, tu prends le bus 185, tu prends le mauvais bus, tu vas aller loin. C'est comme ça. Tu n'as pas, à moins que tu appelles la STM, le temps qu'ils font un programme ou tout un rapport pour dire que tel bus devait être changé, après quand même, tu vas pas aller prendre le bus. Amen. Mais en attendant, tu prends le service. Le service qu'il y a pour commencer la prière, c'est l'humilité. Maintenant, dans l'humilité, il n'y a pas que le jeûne. L'humilité, c'est un peu comme le verset là où le Seigneur parle du pharisien qui arrive et dit, Seigneur, je ne suis pas comme ce publicain. Je paye ma dîme, il faut payer ma dîme. Mais il mettait l'accent sur ce qu'il faisait et il se vantait, il s'élevait. Mais l'autre publicain, il venait, il n'osait même pas lever la tête, il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Ça, c'est l'attitude d'avoir dans le... quand tu veux prier. Pourquoi je dis ça? Vous savez, des fois quand on veut prier, on est offensé. On ne sait pas. Des fois quand on veut prier, on a quelque chose qui n'est pas bon, qui ne fait pas plaisir à Dieu. Mais parce que Dieu est bon, vous savez quoi? Il va te recueillir. C'est ce qui se passe avec un enfant quand il vient voir papa. Des fois, il a fait une bêtise, tu n'es pas content. Mais parce que tu veux qu'il prenne l'habitude de venir te voir, tu vas dire, ok, viens d'abord. Mais ce qui fait plaisir quand tu vois cet enfant, c'est quand il commence à dire, papa, maman, je m'excuse, j'ai fait une faute. Ou je ne sais pas si j'étais offensé, pardonne-moi. Comment tu te sens quand un enfant te dit ça? Mais pourquoi tu peux te sentir comme cela? Tu ne comprends pas que Dieu va se sentir comme cela. C'est pour ça que peut-être... Vous savez, ça, c'est un piège. Des fois, vous pensez que vous priez, ça ne marche pas. C'est souvent des petits trucs comme cela. Comment est-ce que tu approches Dieu quand tu vas prier? Amen. Et donc, après maintenant, l'humilité, qu'est-ce qu'il dit? S'il prie. Parce que tout le monde sait ce que c'est que prier ici. Et dans cette prière-là, moi j'appelle ça la dîme. C'est-à-dire que tu vas prier, tu vas avoir un tel nombre de temps de prière par jour. Amen. Maintenant, je vais aller dans l'autre verset que j'appelle l'offrande. S'il cherche ma face. Mais j'ai un problème. Comment on peut dire prier et chercher la face dans le même verset? Est-ce que chercher la face n'est pas prier? Bon, il y a une différence entre chercher la face de Dieu et prier. Parce que prier, c'est ce que tu dois faire. C'est vraiment comme la dîme. Parce que tu as besoin, parce que des fois, pour ta bénédiction au travail, ta bénédiction dans la vie, ta bénédiction dans la maison, pour ce que Dieu fait pour ta famille, tu as besoin de ça parce que le diable t'a attaqué tout le temps. Mais pour avancer, pour faire avancer ta spiritualité, ta maturité, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, tu as besoin de chercher la face de Dieu. Vous savez c'est quoi chercher la face de Dieu? Chercher la face de Dieu, c'est sortir du normal, sortir du régulier, sortir de la routine. Il y a des jours, il faut être sensible à l'esprit du Seigneur. Il y a des jours, tu es au point de manger, Dieu va te dire, arrête, va prier. C'est ça qui est difficile. Il y a des jours, tu es au point de sortir, tu as même un truc, une activité légitime. Tu dois même aller faire une étude, Dieu dit, attends, annule, va prier. C'est ça, chercher la face de Dieu. Il y a des jours, on s'attend à te voir à tel moment. Après, Dieu dit, ferme ton téléphone. Parce que, vous savez, le diable, quand tu as une vie de prière régulière, il va t'apporter une opposition régulière aussi pour pouvoir résister à tes attaques. Mais il ne peut pas rester quand tu cherches la face du Seigneur parce qu'il ne sait pas quand tu cherches la face de Dieu. Quand tu cherches la face de Dieu, c'est quand le diable ne s'attend pas. Mais devinez quoi? Tu peux chercher la face de Dieu, n'importe quoi. C'est pour ça que des fois, quand je sens que j'ai une situation que je ne suis pas content, des fois je vais dire à personne, il va annuler l'étude. Je vais sortir du travail plutôt, je vais prendre les heures pour rattraper. Je rentre à la maison, je ferme ma porte. Je dis, Seigneur, moi et toi, ici. Vous savez, Dieu nous donne tellement d'armes qu'on n'utilise pas. Vous avez lu ce verset tellement de temps. Mais est-ce que vous saviez que c'est ça que Dieu demande? Voilà pourquoi, après prier, il demande de chercher sa face. Chercher la face, ça va plus loin. Parce que là, voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, personne n'a jamais vu ma face, et vive. Tu vois, parce que quand tu vois la face de Dieu, tu vois Dieu. Cherche la face de Dieu, parce que c'est là où les âmes naissent. C'est là où il y a la solution. Vous savez, chercher la face de Dieu n'est pas facile. Parce que souvent, ça va te prendre là où tu ne t'attends pas du tout. Souvent, c'est le moment où tu as tout à faire, tu dois sortir. C'est comme... Et des fois, là, vous savez, chercher la face de Dieu, n'attends pas toujours que Dieu te parle.
Il y a des moments où tu dois manger, il y a des moments où tu dois sortir, il y a des moments où tu dois te promener, il y a des moments où tu as quelque chose à faire. Et tu sais, vous savez, quand tu as un fardeau, tu as tout le vide, mais tu dis, il y a quelque chose qui n'est pas réglé là. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas réglé. Et tu vas le faire peut-être pour une semaine, deux semaines, parce que tu ne peux pas chercher la face de Dieu continuellement. C'est difficile, parce que ça épuise. Mais pour un moment, parfois, pendant deux jours, trois jours, c'est, des fois, on ne va pas te voir. On va, il est où? Tu as le téléphone fermé. Il faut, vous ne pouvez pas vivre pour Dieu sans chercher ça. C'est difficile. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, c'est comme tu veux grandir, mais c'est comme si tu bloques. Parce qu'il va falloir que tu te battes. Il faut que tu... Vous savez, nous sommes dans une lutte. C'est une lutte littéralement. Peut-être elle est spirituelle, mais c'est une vraie lutte. Il faut chercher la face de Dieu. Et c'est pour ça que ce verset insiste. S'il prie, et qu'il cherche la face. Parce que la prière, ça rentre dans la routine. Et tu dois le faire. Mais chercher la face de Dieu, ce n'est plus la même chose. Amen. Amen. Là, ton verset dit, tu dois chercher la face de Dieu. Ouais, chercher la face de Dieu. C'est quand tu cherches la face de Dieu que tu peux demander vraiment la guérison pour un cancer. C'est quand tu cherches la face de Dieu que tu peux demander vraiment la guérison. Vous savez, j'aime ça beaucoup. D'ailleurs, moi, je pense qu'il y a deux semaines, j'écoutais le témoignage du pasteur Boukha. Il a parlé de. Des fois, le Seigneur me fait un bon moi. Il a parlé de maladie, comment il a commencé à avoir des problèmes, et puis il a eu peur. Il est à l'hôpital, à la salle, pour on va c'est ça. Vous savez, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous donner les détails, mais j'ai vécu toutes ces choses. Et quand je vois ça, je dis, waouh, je suis encouragé. Je suis très encouragé parce que je dis, waouh, le pasteur, c'est bon, il est dans la bonne direction. Tu ne peux pas arriver loin sans que tu ne traverses ces choses. Il y a des moments où le diable va te défier, il va dire, ok, on va voir. Et ce n'est pas facile. C'est que tu n'as pas confiance, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais si je meurs maintenant? Si maintenant je vais à l'hôpital et puis j'ai mal, la famille dit, tu n'es pas parti à l'hôpital, tu n'as pas fait ça, voilà pourquoi on commence à accuser l'église. Tu ne peux pas vivre pour Dieu sans traverser ces choses. Peut-être je ne parle pas, mais j'ai traversé toutes ces choses. Et parfois, même d'une façon que si vous saviez, vous allez dire, non, comment il a fait? Ça prend de chercher la face de Dieu. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu es garanti que tu as confiance. Et c'est pour ça que des fois, Dieu va faire ça pour que tu sois plus proche de lui. Parce que des fois, tu t'éloignes de lui sans savoir. Tu pries comme tu pries, mais tu n'es pas aussi proche de Dieu que Dieu le veut. Tu dois chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Très important. Maintenant, regardez. La Bible dit à la presse, il dit, et s'il se retourne de ses voies. Vous n'avez pas remarqué que d'habitude, quand tu veux prier Dieu, tu essaies d'arrêter de faire quelque chose que tu faisais de mal. Tu essaies de dire que tu changes de tout. Mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit, tu t'immunes, tu pries, tu cherches la face et tu te tournes de tes voix. Il dit ça à la fin. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu pries au départ, c'est sûr qu'il y a des choses que tu vas penser que c'était correct. Mais quand tu vas chercher la face de Dieu, ce qui était correct va devenir incorrect. Voilà pourquoi il met si c'est de tourner de ses voix à la fin. Regarde ton main, tu dis, tu dois chercher la face de Dieu. Le dernier point, et pas le moindre, l'engagement spirituel. Vous savez, l'engagement spirituel, c'est pour tout le monde. Maintenant, tout le monde ne peut pas tout faire. Lui aussi, parce qu'il y a des côtes. Il faut respecter l'église, parce que nous sommes dans une église. On veut représenter les saints. Amen. Donc, si tu veux chanter, il y a des choses que tu dois faire. Il y a un temps que tu dois attendre. Si tu veux jouer au piano, il y a des choses que tu dois faire. Il y a un temps que tu dois attendre. Amen. Mais il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour le Seigneur. Parce que c'est ça le danger de l'église. Parce que quand l'église n'est pas occupée, elle va faire quelque chose. C'est pour ça que quand tu as beaucoup d'argent, tu dois utiliser ça pour le Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce que l'argent est fait pour être dépensé. Et les meilleures façons pour dépenser, je vais donner une idée, une question. Et arrêtons le truc, arrêtez de me dire que je vais donner à l'église. Si quelqu'un a 1 million de dollars là maintenant, mettons, tu as donné ce que Dieu t'a donné à donner à l'église, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi si tu as 1 million de dollars là maintenant? C'est pour ça. Hein? Ouais, laissons l'église de côté. On a réglé l'église. Je vais dire, c'est pour toi-même. Pour toi-même, qu'est-ce que tu vas faire pour toi-même? Quelqu'un? Prier les dettes de mes enfants. Garder les enfants pour toi. Un terrain au Cameroun, ok. Soyez honnête. Ok, quelqu'un de l'autre. Il est où, Seigneur? Amen. Amen. On savait qui on a fait. Ok, quelqu'un de l'autre. Hein? Retraiter tes parents, c'est bon, c'est légitime. Investir.
Investir. Amen. Ok. Maintenant, ce que je vais apporter sur investir, un terrain ou acheter un lotus, c'est que pour consommer ses richesses, ça prend du temps. Est-ce qu'elle va acheter Lexus sans la conduire? Et tu vas voir que si elle avait une voiture, comme la voiture du pasteur Yannick, qui était diesel, sans la conduire, mais si elle a le Lexus, c'est ça. Mais même avec ou sans chauffeur, il faut qu'elle sorte, même pas le dépanneur, même si elle peut marcher, elle a sorti un Lexus. Parce que c'est ta voiture, c'est ton plaisir, tu veux t'amuser, n'est-ce pas? Mais maintenant, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps de conduire, de se promener. Beaucoup de gens, quand ils ont l'argent, ils font quoi? Ils prennent des vacances. Je suis en train de dire que c'est pas mauvais d'avoir l'argent, mais le problème c'est quelle est la direction que tu as dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Tout ce que vous faites en parole, quand tu parles, ou en action, faites-le. Parce que si tu ne le fais pas au nom du Seigneur, tu vas dévier. Vous savez, je vois souvent le frère, on l'appelle papa Jean. Amen. Pas qu'il a l'argent, mais il a quand même dit, mais il gère l'argent de l'église. Il me fait beaucoup penser à moi. Parce que quand tu gères beaucoup d'argent comme ça, et que tu as un CV comme là, tu sais que l'emploi peut avoir juste pour faire cela. Les banques cherchent des gens comme eux. J'ai déjà eu ce genre d'offre. Et je te dis, ce n'est pas un peu d'argent. Quand tu, juste même quand tu vas dans l'église, les gens aiment ça parce que tu es sérieux, tu as un truc, et quand tu as l'expérience de travail, on te propose seulement, mais il va falloir que tu voyages. Mais tu vas voyager, tu vas revenir quand tu vas à l'église. C'est pour ça que la Bible dit que c'est une source de piété que la satisfaction. Donc, je suis en train d'apporter une chose, un truc que le Seigneur apporte dans l'église qu'on appelle les tribus. Des fois, tu vas voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui fait beaucoup d'argent dans l'église. Mais t'en fais pas. Si Dieu lui a donné beaucoup cet argent, c'est pour l'église. Parce que si Dieu te donne le même stress qu'il donne à cette personne pour utiliser cet argent, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas prendre l'argent de Dieu pour aller t'amuser fuir. Je te dis, tu es plus en sécurité si tu fais moins d'argent. Parce que Dieu va te rattraper. Regarde, quand tu fais, je dis les choses que j'ai vécues, les choses que j'ai vécues, des témoignages, mais je ne vais pas pointer de nom. Quand tu fais beaucoup d'argent, des fois tu vas te dire, Dieu n'a rien vu, ça va, tu fais un peu, tu joues, Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Il y a juste un seul truc qui va. Une maladie à part, tu peux prêcher. Un petit truc. Ça va tout siphonner. Tu vas te dire, Seigneur, si je savais. Ne regardez pas ceux qui font la ratite, Seigneur, pourquoi lui il est béni, moi je ne suis pas béni. Vous ne savez pas ce que Dieu demande à ces gens. Amen. Vous ne savez pas ce que Dieu demande. C'est très important. Ne regardez pas cela. Vous êtes en sécurité parce que Dieu demande beaucoup. C'est des fois, je vous dis, des fois j'ai de l'argent entre les mains, je veux faire quelque chose. Je prie, Dieu me dit rien. Je suis stressé, je fais quoi? Je suis obligé d'attendre. Parce que si tu utilises ça mal, je te dis, j'ai déjà failli perdre de l'argent comme pas possible, parce que je n'avais pas de moyens de musique. J'ai seulement dit, ok, c'est moi qui j'ai dit, ok, je vais prier une dernière fois. Hey, j'allais faire faillir. Il faut chercher la face de Dieu. Et ça montre que Dieu t'aime, parce que Dieu va toujours voir si tu es en train de le consulter. Et des fois, il va te laisser aller loin pour que tu comprennes comment le font. Parce que cette épreuve que j'ai subie là, je me suis rendu compte qu'il m'a permis de comprendre comment les choses fonctionnent. Maintenant, je sais comment faire attention la prochaine fois. Mais la prochaine fois, je vais écouter qu'elle va me dire de faire attention. Amen. Donc, maintenant, ce que je veux venir par rapport à l'engagement, c'est ceci, c'est que même si tu n'es pas impliqué, même si tu n'es pas devant le public comme le pasteur Abou, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Et je sais que le pasteur Abou donne beaucoup de petits publics. Amen. Et on a beaucoup de maisons ici à côté de l'Est. Si tu n'es pas capable d'accompagner le pasteur Abou, ouvre ta maison, on va vous trouver les gens pour faire les études. Impliquez-vous. Ne restez pas sans rien. Ne restez pas sans rien. Ça, c'est le danger. Parce que quand tu ne fais rien, il va falloir que tu sois occupé à quelque chose. C'est comme ça que le diable, il faut qu'il t'occupe. Amen. On va lire Matthieu 25, à partir du verset 20. Si quelqu'un là, il peut shooter. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 20. Mmh.
j'avais reçu deux talents, Seigneur, tu m'as remis deux talents et voici deux autres que j'ai gagnés de plus. Et son maître lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme Dieu qui moissonne où tu n'as pas semé et qui recueille où tu n'as pas répondu. C'est pourquoi, te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, méchant et paresseux serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répondu. Il te fallait donc de donner mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent et le donnez à celui qui a les dix talents. Car à celui qui a, on donnera et il aura encore davantage, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. J'étais donc le serviteur inutile dont les ténèbres brillent, là seront les pleurs et les grincements de dents. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les poules. C'est bon. Maintenant, vous savez, vous connaissez cette parabole, on va pas la lire de long à large. Il y a un qui avait 5 talents, l'autre 2 talents, l'autre qui a 1 talent. Regardez, Dieu n'a pas demandé plus que ce qu'il pouvait donner. Amen. Celui qui avait 5 talents à rapporter, 5. Celui qui avait 2 à rapporter, 2 talents. Donc, c'est-à-dire que quand tu es ici-là, Dieu t'a donné un don. Vous pouvez aller demander à la sœur lorsqu'elle est accusée de l'avoir. C'est bon. Récolier, le jour, quand la loi jour. Il y a beaucoup. Il y a la sœur Bébia. Il y a beaucoup de gens ici, la sœur Loretta. Si tu dis que tu veux perdre le poids, voilà, c'est le retard, tu fais le zucchini. C'est un gâteau sans gras, avec les ailes. Mais la première fois que j'ai vu celle que je ne prends pas ça, maintenant, depuis que j'essaie de manger bien, maintenant, je cherche le zucchini. Donc, il y a des gens qui ont des talents. Des fois, on pense que talent, c'est prendre le micro, tu commences à coucher, tu fais les rangs, tu vois, tu es bon. Non. Talent, c'est cuisiner. Talent, c'est accompagner les gens. Talent, c'est conduire. Amen. Et puis maintenant, ce qui se passe, c'est que Dieu voulait alors savoir de tous les talents que je t'ai donnés, qu'est-ce que tu as fait de ça? Qu'est-ce que tu fais du talent que Dieu te donne aujourd'hui? Il y a des gens qui sont bons pour parler, pour inviter les gens à l'église. Qu'est-ce que tu fais du talent que Dieu te donne? Et c'est la raison pour laquelle le dernier, celui qui avait un talent, et heureusement, peut-être c'est pour ça que Dieu lui a donné un talent, parce qu'il avait peur qu'il ne fasse rien. Parce que tu ne peux pas ne rien faire. Amen. Le dernier a eu un problème parce que Dieu lui a dit, ok, je comprends ce que tu as dit, mais tu aurais pu mettre à la banque. Quand tu mets ton argent à la banque, c'est pourquoi? C'est pour que ce soit bien gardé. Parce que quand tu ne mets pas ton argent à la banque, tu vas le dépenser, tu ne vas rien faire. Et tu ne vas pas produire. Maintenant, en général, quand tu mets l'argent à la banque et que tu gardes longtemps, la banque produit des intérêts. C'est pour ça que tu fais ce qu'on appelle l'épargne et tout. Amen. Tu ne mets pas ton argent à la banque pour ne pas utiliser comme ça. Amen. Oui, je vais venir à ta question. Maintenant, qu'est-ce que veut dire la banque pour l'église? Comprenez que la banque, c'est quelque chose qui va produire. Dans l'église, il faut que tu trouves quelque chose qui produit. Parce que tu as un talent. Et lui, il devait investir à la banque. Toi, tu dois investir ton talent dans un ministère qui produit. Il y a les chants. Il y a les gens qui accompagnent. Il y a les gens qui font l'étude, la nourriture quand il y a des études ou des activités. Il y a le pasteur Abou, le frère Stéphane. Il y a beaucoup de gens qui font des études de vie que tu peux accompagner. C'est ça que ça veut dire investir dans la banque. C'est-à-dire que si toi-même, tu ne peux pas le faire, travaille avec quelqu'un que tu peux. Parce que vous allez voir, il y a toujours quelqu'un qui... Je sais qu'il y a des gens toujours... Oh bon, lui là, je lui parle, on est sincère, mais bon, il n'y a pas. Mais il y a toujours quelqu'un avec qui tu as des affinités. Il y a toujours quelqu'un avec qui tu as des affinités. Va aider un frère, va aider une soeur, un ministère qui fonctionne. Tu vas voir, parce que regardez, si vous êtes ici à l'église, je me rappelle quand le samedi du soir a commencé, il n'y avait pas tout ce monde. C'était très peu. Amen. Et souvent même, je vois que vous êtes nombreux ici, là, ça dépend, ça varie. Alors, si tu vois ces gens-là, si toi-même tu es là, c'est parce que quelqu'un fait ministère. Va voir la personne qui a fait ministère pour que tu sois là et tu l'aides. Amen. C'est ça la banque. C'est ça la banque. Et il faut investir. Tu peux investir ton argent.
Je me rappelle, c'était que j'ai acheté ton ordinateur il y a combien de temps? 3 mois 4 mois Ouais, 3 mois. C'est quoi? Pardon, dis-moi un peu le prix encore. C'est combien? 5300. Hein? 5300. 5300. Moi, Yannick, gros, Yannick, fils de monsieur Abdi. Fils de monsieur Abdi. Mettre 5300 $ canadiens sur un ordinateur, jamais. Allez, demandez. J'ai un ordinateur que j'avais pris aux États-Unis quand l'autre était gâté, mais j'utilise. Moi, j'aime bien utiliser les choses. Je vais mettre l'argent sur autre chose, toujours pour le Seigneur. Mais lui, il a mis l'argent sur un ordinateur de 5300 pour pouvoir faire les montages vidéo de l'Église Céleste. Amen. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Moi, je ne sais pas, et je ne dis pas que c'est mauvais, mais j'ai tellement de choses que je veux faire pour le Seigneur, c'est cet esprit que Dieu veut. Parce que déjà, ça te gagne, parce que tu te sens utile pour le Seigneur. Des fois, tu te dis quel talent. Il y a des choses que tu peux faire pour une soeur, pour un frère. Tu peux l'accompagner au métro, tu peux lui payer un taxi pour ta soeur qui soit. Tu peux faire des choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup. Et c'est pour ça que je dis, si tu fais ces quatre choses, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a, et tu regardes à quelqu'un qui est un leader, et tu pries, tu cherches la face du Seigneur et tu t'engages. L'engagement spirituel pour commencer le jour où tu rentres à l'église. Il y a des petits trucs. Écoutez, avant, on me disait ça que non, quand tu es nouveau, tu n'as pas attention. Non, non, moi je n'ai pas besoin. Mais là, je prêche quand tu es nouveau, marche avec quelqu'un. Marche avec quelqu'un de bon. Essaye de voir ce qu'il fait. Il est. Parce que le diable, il ne s'ennuie pas. Il va tout faire pour attracher les nouveaux. Marche avec quelqu'un. Va. Vous savez, il y a tellement de ministères. Allez voir le frère, il y a tellement de vidéos. Je dis ça parce qu'il y a des vidéos qui me doivent, qui ne m'ont pas encore appelé. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'être, moi pareil, j'ai besoin d'être, parce que depuis qu'il fait ça, ça permet de faire autre chose. C'est pas facile. Il a besoin, et je sais, c'est une étude, une église ne peut pas travailler sans études publiques. Donc, vous allez voir Fachi, vous allez voir Pastor, ils ont des études publiques. Accompagnez-les. Juste être présent, c'est une notion de plus. Parce que c'est ton temps que tu investis dans le Seigneur. Amen. C'était quoi ta question? Hein? Ah, c'est une bonne question. C'est quoi la différence entre un don et un talent? Je pense que je vais lancer le pasteur pour cette question. J'aime cette question. En passant, moi, je ne connais pas toi. Hein? Bon, moi, je me dis que le talent. Le talent, c'est naturel, c'est Dieu qui nous donne naturellement. Amen. Oui. Parce que moi, quand on parle de. C'est ça, moi, quand on parle de don, moi, je pense plus au don de l'esprit. Tu vois un peu. Donc, fait que. Quand on dit quelqu'un a le don de. Moi, je n'ai pas utilisé ça pour dire qu'il a le don, par exemple, de cuisiner. Moi, je me dis qu'il a le talent de cuisiner. Dans ce sens. Ok. Parce que moi, j'aimerais garder le mot don pour quand il a le don, par exemple, de prophétie. Il a le don de connaissance. Tu vois un peu. Maintenant, on peut dire. Tu peux, moi, je pense que tu peux confondre don et talent quand tu parles du monde ou du physique ou tu sors du spirituel. Mais quand tu parles du spirituel, tu dois dire don. C'est comme ça que je vois les choses. Tu vois, je veux venir. Mais si c'est hors du spirituel, moi, je vais égaler talent et don. Parce que don, c'est une habitude de faire quelque chose qui est facile pour toi. Talent, c'est la même chose. Amen. Parce que si on commence à différencier, mais on va rentrer dans l'étude de Molière, le français, quelle est la nature de la versification, et puis, est-ce que c'est la litote, est-ce que c'est. Ça va. Moi, honnêtement, je vois ça, c'est vraiment la même chose. Mais par contre, quand on rentre dans le spirituel, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, tout le monde a reçu le Saint-Esprit ici, n'est-ce pas? Amen. Avec l'évidence par la langue. Ça, on appelle ça le don du Saint-Esprit. Et maintenant, quand tu as le Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit viennent avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir l'Esprit sans avoir. Tu ne peux pas avoir le don sans avoir l'Esprit qui donne le don. Amen. Maintenant, vous avez dit, il y a des gens qui ont le don de guérir dans mon pays, mais c'est ça, ça c'est pour eux. Nous, on parle de l'église. Dans l'église, il y a une façon, il y a un format. Le format, c'est le don du Saint-Esprit et puis le don de l'Esprit. Amen. Ne cherchez pas les gens que. Après, tu vas aller chercher aussi, tu ne vas pas les voir, tu ne sais pas ce qu'il y a. Ne prenez pas les chiens. On va prendre les mêmes exemples. C'est, on prend trop de risques parce qu'on avait quelqu'un fait quelque chose que ça veut dire, que ça veut rien dire. Si je ne vois pas là, là, il a reçu le Saint-Esprit. Un point, un trait. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit aujourd'hui.
Il y a trop de fausses enseignements d'ailleurs. Amen. Donc honnêtement, sur le point, si on sort du côté don de l'esprit, moi je pense qu'un talent c'est un don parce que c'est une attitude que tu as par rapport aux autres. Ou une facilité à faire des choses que les gens n'ont pas. Comme le pasteur Boulay bon au soccer. Enfin, dans ce cas, tu devras lui, tu ne vas pas approcher les bonnes commandes parce qu'il peut te donner. On appelle ça Zolo, il peut donner ça rapidement. Surtout quand tu filmes là, tu ne peux pas prendre un Zolo et tout le monde voit dans les caméras. Tu vois un peu, ça c'est un don parce qu'il manie facilement. Mais hein, je pourrais aussi appeler ça talent. Parce que si j'appelle ça talent et après j'appelle l'autre don, quelle est la différence honnêtement? Et peut-être. Je sais parce que je sais qu'il y a des gens qui s'entraînent et s'entraînent tellement qu'ils deviennent talentueux. Ok? Et puis ils commencent par exemple, quelqu'un qui ne savait pas jouer au tennis, moi j'aime jouer au tennis. Amen. Et puis subitement, il s'entraîne. Après, il devient très fort au tennis. Bon, il ne l'avait pas naturellement. Amen. Mais il faut comprendre que pour devenir fort au tennis ou au soccer ou à un autre sport, il faut que tu aies quand même cette aptitude physique. Donc le talent que Dieu t'a donné, ce n'est pas le talent d'être fort au tennis. Ce n'est pas le talent ou le don d'être fort au Scrabble ou au Monopoly ou ailleurs. C'est peut-être le talent d'être fort dans les négociations. C'est peut-être le talent de courir facilement parce qu'il t'a donné un physique qui est différent de l'autre. Une condition physique. Vous comprenez un peu. Donc, en fait, nous, on ne voit pas les choses comme Dieu. C'est pour ça que c'est souvent difficile. Je ne sais pas si je suis clair. Amen. C'est pas ça que le qui m'aide parce que je peux me perdre. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Elle a regardé sur Google, il y a des gens qui sont connectés à Internet ici. Mais dans le bon sens, hein. Elle a regardé pour les réponses, elle n'a pas regardé les vidéos, les photos. Donc, elle a dit que sur Google, ça disait que le talent c'est lié, le don c'est spirituel. Amen. Voilà, je parlais bien parce que je ne veux plus mal répondre. C'est vrai, c'est la première fois que j'ai cette question. C'est pour ça que c'est bien les études publiques. Tu as des questions que tu n'as jamais reçues. J'ai jamais reçu la question. J'ai eu beaucoup sur les talents, mais pas comparaison dans le talent. Amen. Regardez votre voisin, dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Regarde ton voisin, tu dis, regarde à quelqu'un qui va être ton leader. Regarde ton voisin, ton voisin, tu dis, cherche la face de Dieu. Et puis pour finir, regarde ton voisin, ta voisin, tu dis, engage-toi dans un ministère. Donc, si le pasteur, vous pouvez revenir, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas pour vous, mais moi, amen. Je sais que je suis dans la bonne église. Amen. Parce qu'après d'avoir filtré tout ça, là, waouh. En tout cas, est-ce que je peux réenseigner? Parce que moi, quand je trouve de bons enseignements comme ça, souvent je m'approche vers les prédicateurs, j'ai tellement les notes. Mon pasteur Yannick, si tu peux me donner les notes après. Alléluia. Franchement, c'était vraiment bon. Nous devons savoir vraiment. Je les ai tous notés ici. Je vais vous le lire. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire les quatre points qu'on peut enseigner? Un seul Dieu. Avoir un leader. Voilà. Chercher la parole de Dieu. Et engage-toi dans un ministère. Alléluia. Qui est-ce qui va faire ces quatre choses-là? Alléluia. Alléluia. Et je vous assure.